Hey, salut à tous, c'est Adran, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode final de Pokémon Snap. Et donc aujourd'hui on va faire en sorte de capturer les derniers Pokémon qui nous manquent. Et les derniers Pokémon qui nous manquent, il s'agit de Kaninos, Arcanin, Grotadmor, Smogo et Léviator. On va commencer par le duo Kaninos-Arcanin. Alors, je ne me souviens plus de ce que ça rapporte de finir tout. Je crois qu'on a un crédit différent ou une connerie pareille. Enfin bon, c'est pas très très important. On va accélérer parce que il faut savoir que... Ah ! Je lui bouffé un galopin. Il faut savoir que, à vrai dire, Kaninos Arcanin sont à la fin du niveau, si je me souviens bien. D'après mes souvenirs, s'il te plaît, merci Goobix. Donc, ce que je suis en train de faire, il faudra faire exactement pareil avec Kaninos Arcanin. Voilà. Hop, on accélère, boum, Sulfura, invocation! YOLO! Hop là, on va freiner un coup, accélérer un coup, freiner un coup. Et là, normalement, si je me plante pas. Salut Kaninos! Et normalement, il y a un Arcanin dedans. Encore un Kaninos. Eh ben. What the fuck? Où est Arcanin? J'ai manqué un épisode là. Bref, déjà Kaninos. Et il me manque Arcanin que je n'étais pas capté. Il me semblait que c'était comme ça aussi. Alors attendez, là je suis complètement paumé. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour faire apparaître Arcanin? Excellent. Merde. J'avoue que pour le coup, je suis un peu sur les fesses. Te revoilà. Me revoilà. Vous savez quoi, au pire on fera ça tout à l'heure. On a la caverne. Okay. Parce qu'on a deux Pokémon à y trouver à la caverne. On a Grotadmor et Smogo. Alors, pour Smogo, c'est juste que je suis trop débile pour avoir pensé avoir pris la photo. Alors normalement, si on prend une photo. Hop, deux tas de morve. On a un autre qui est par ici. Si j'arrive. Oh là là, c'est dur quand même. Voilà, alors attendez, si je me joue bien. Bon, ok, normalement il y en a d'autres, heureusement. Oh, attendez, quoi que là, peut-être que je peux l'avoir. Allez! Non! Pff, oh, je suis vraiment pas chaud. Mais t'es sérieux que j'arrive pas à le toucher? Ah, merci. Ça y est! Gros tas de morve! Voilà. Et là, franchement, c'est la photo la plus difficile de l'univers. Voilà. Enfin, une petite photo spéciale aussi, vous allez voir, avec Pikachu. Si j'arrive à gérer mon coup. Ça me prendra peut-être une, hein. Non. Bon, tant pis. Sinon, il y avait une petite photo à faire avec Pikachu qui était sur le dos d'Articoden. C'était assez rigolo comme photo. Enfin, bref. Oh, il n'y a personne. Tant pis. Donc, on a encore Arcanin et Léviator à trouver. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Et donc Léviator, si je me souviens bien, il faut le foutre dans une fontaine et puis là il fait et puis tac. Il était comme ça quand je l'ai pris.
C'est absolument dégueulasse. Bon, on va faire ça. Ok. Alors, on voit absolument rien, ça pourrait être un tas de poussière, le mec. Excellent. Voilà, donc ça fait 2 de plus. Et les deux derniers, le 62e et le 63e. Voilà. Okay. On va aller chercher Mr. Leviator. Faire au singe quoi. Ah, il peut pas siffler, je suis désolé. Merde. Merde. Petite pause, je vais regarder comment on fait, parce que je me rappelle plus comment on l'appelle ici. Re-invisible. Donc, pour avoir l'Eliator qui va proc, en fait, il faudrait que ça y est, j'ai réussi. Voilà, en gros, là, j'envoie Magikarp sur Ferrosinge, il l'envoie valser à l'autre bout de l'univers. Et pour Arcanet, ça m'a l'air un peu random. Bon, sur la vidéo que j'ai regardée, le mec la tire avec des... Aouh. Ouais, il la tire avec des pommes. Le mec n'arrive plus à dire pomme. Vous vous rendez compte à quel point il est au fond? Hop, et là on arrive, et puis on va avoir un Magikarp volant, attention. Je dis... Boum, Magikarp volant. Là, si on envoie une Agas Ball, blop, 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 et puis là. Voilà, là il a fait l'attaque de canon en plus. Voilà, donc là on accélère, on voit la fin du niveau. Donc du coup il ne manque plus qu'Arcanet pour finir le Pokédex. Voilà, nickel. Plus vite, plus vite. Merci. Ça a l'air pas mal, il a bien bien centré. Petite photo du Magikarp. Blablabla. C'est parti, Professeur Chain. Bon, ok. Excellent. Bon, là, du pause, j'ai dû faire. Oh mon dieu, une attaque hydro de canon. C'est trop cool. Tu mérites des points en plus. GG. Voilà. Te revoilà. Me revoilà. J'espère juste que c'est pas random le coup d'Arcanet. Sinon, ben, je ferai un coupure montage. Hein, je veux dire. C'est ça que ça sert le montage. À faire des coupures. Voilà, c'est gratuit. Tchou 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 tchou. N'empêche, le mec il a pas peur, hein, quoi. Clairement, il est sur un truc qui roule. Un endroit où il y a de la des volcans partout.
En plus, le mec, il agresse le Sulfura. Quelle idée géniale. Genre, mec, il fait plouf, voilà, hop, il l'agresse, quoi. Bien. Sulfura, il est en mode, je donne rien à foutre. Genre, tout va bien, tu vois, je veux dire. Ben. Coupure montage, c'est parti. Yes! Bon, mais voilà. En fait, c'était de la chance. Voilà, c'était un peu. Pff, j'ai mis une agace dans la gueule quand même. Pour le principe, vous voyez. Et donc, on va enfin finir Pokémon Snap. Ça, les classes, des flammes et tout, ça fait très. Bref. Okay. C'est parti. Tout plein de flammes. Excellent. YOLO. 200 000 points. Yeah. Te revoilà. Me revoilà. Tu as complété le rapport Pokémon. Tu as donné ta photographe Pokémon. Bien joué, je n'ai plus rien à t'apprendre. Avec Steph. Merci pour tout, à bientôt. C'est tout? Un générique de fin. Ok, ben voilà. Mais j'espère que cette aventure sur Pokémon Snap vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement. Je vous dis. Ciao les gens.